Hello everyone, welcome to BGS Binge Gaming Sessions number 20 with Bioshock 2 Remastered. Eleanor se transforme à mesure que Delta se rapproche. Alors. Son sommeil. Ah oui. Elle aurait assisté à certains épisodes de son aventure parmi nous. Elle commence à résister au conditionnement moral. À cause du lien. Donc on reprend juste où on était. Alors je sais pas pourquoi la vidéo s'est stoppée. Du coup. Regardez. Ça sert à rien de regarder. Pire encore. D'ailleurs j'ai plus le pouvoir. J'ai plus le pouvoir. J'ai bien peur pour les séparer. De devoir prendre des mesures qui me rendront totalement impardonnable. Ah oui, c'est pour ça qu'elle tue sa fille. Pour rompre le lien. Ah d'accord, c'est radical là, c'est carrément il transforme en bloc de glace quoi. J'ai pas eu le temps de le. Petit. Trousse de soins, puis je sais pas. Il est. Je suis désolé, je t'ai enfermé ici. Merci. Danser comme une marionnette. Je ne peux pas m'arrêter. Il va falloir que tu viennes ici pour m'achever. J'aurais préféré qu'il y ait une autre solution, mais je préfère mourir comme un homme que de vivre ainsi. Le tunnel de maintenance. Oui, je me souviens. Ça devrait te permettre de m'approcher. Tu vas pouvoir m'attirer dehors. Essaie, petit. Essaie. Vite. Sinclair a raison, papa. Maman pense que tu mourras ici. Ouais, je vais remplacer un plasmide, je veux juste que la fille vienne. Parce que les autres sont pas intéressants. L'explosion de la bombe. On va devoir l'éliminer. Trouve le code du Mirador ou attire-le à l'extérieur. Quand il sera mort, nous prendrons la clé. Le code du Mirador. C'est le bloc. Donc voilà. Faut looter tout le temps. Petit, j'ai construit cet endroit. Et c'est vrai que je t'ai loué comme cobaye à Fontaine Futuristics pour leur test plasmidique. Et aujourd'hui, je suis en train de le payer. J'aurais aimé avoir le temps de m'excuser. Prends le bâtiscaf, il est à toi. Mais je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. Donc là, faut qu'on l'achève. Les toilettes, on dirait chaise aux gars. Je t'aurais bien donné moi-même le code de la porte si je pouvais. C'est comme si l'âme avait. Construis des murs dans mon cerveau. C'est beau ce que tu dis. Les prisonniers doivent sûrement connaître le code. Va voir dans les cellules et fais vite. Ça devient insupportable pour moi. Je pense une chose et ma bouche en dit une autre. C'est pas écrit là. C'est pas écrit là. Y'a rien écrit. Forcément, c'est une qu'on n'a pas vue. Oh Dieu merci. Bon, continue. Continue, fais vite. Je t'en supplie. Je t'en supplie. I beg you to kill me. Oh, ça fait mal. 26, 73.
déplace. Trouve-le. Il nous faut cette clé. Oh, sérieux, les mecs? Oh, mais non. Pff, ouais, franchement. Fini. Adieu, petit. Et merci. Merci. Papa, si tu mets fin au bouclage, tu vas libérer tous les prisonniers. Prépare-toi bien avant d'utiliser la clé sur l'interrupteur de sécurité. Ouais. J'ai bien compris le message. Ce qu'on va faire, est-ce qu'on a des... On n'a pas l'autopiratage. Ah bah, il a pété le truc. Alors, des fois c'est T, des fois c'est elle. Non, mais c'est une blague. Murphy, c'est Dodge. Mon petit doigt m'a dit que t'avais trouvé le code du directeur. Envoie-moi un message dans ma cellule du bloc A et indique-moi où tu l'as planqué. Je verrai si je peux effacer ton ardoise. Ça fait trop longtemps que le directeur ignore mes avertissements. Je vais prendre les choses en main, moi. J'ai récupéré un outil de piratage pour neutraliser ses tourelles et asservir ses robots. J'ai aussi réussi à trouver son code. 2, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Charge mien pour fusil à pompe, réduction recul. Ouais. Oula, Yonk, sacré chargeur. L'homme semble avoir détourné son attention de mes prisonniers pour s'intéresser à sa fille. Il a dû comprendre qu'ils étaient irrécupérables. Maintenant, j'ai des types qui me réclament leur dose d'Adam. Et je dois faire des pieds et des mains pour que le bon docteur m'en donne un peu. M'en donne un peu. Le traitement les assomme. Sinon, ils prendraient le Mirador d'assaut ou ils se jetteraient sur moi pour me saigner. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Faut que j'achète des trucs quand même, parce que là. Carburant, rivet, trousse de soins, j'en ai assez. Je reviens tout de suite. Je sais pas si je dois acheter ça en fait. Tout de soin. Ça peut toujours être utile. Bon. Ma fille est là. On se prépare. Ah oui, au bout d'un moment, elle repart. C'est parti. Fin du couvre-feu. Fermeture temporaire du poste de sécurité. 5 Clair est mort en héros pour la famille de Rapture, Delta. Était-il ton ami?
Ou s'agissait-il d'un simple outil? Peux-tu au moins faire la différence? Quant à toi, Eleanor, tu as fait passer le sujet Delta avant ta mère, avant ton peuple, et avant le devoir de ton sang. Qu'il en soit ainsi, tu crois que ce bathyscaphe emmènera Delta en sécurité? Tu es comme une enfant gâtée avec un nouveau jouet. Je n'ai pas d'autre choix que de te le confisquer. Fin du couvre-feu. Les portes-cloisons ont été déverrouillées. Elle est partie? Maman s'intéresse au bathyscaphe, papa. Il faut qu'on y retourne tout de suite. Si on peut se barrer, moi je me casse. Par contre, il m'a changé mes pouvoirs. Pourquoi il m'a changé mes pouvoirs? Bah, je veux juste ma fille. Là, je m'en fous. Plasminifiée, mais comme jamais quoi. Là, tu as en bouffé des plasmides quand même pour ce niveau-là. Chaque instant qui passe m'éloigne un peu plus d'Eleanor, Delta. Cette obsession pour son père ne tardera pas à l'achever. Par ta faute, je n'ai plus aucun désir. Oh. Avant que tu ne meures, je vais te prendre tout ce que tu as de plus cher. Sinclair n'est qu'un cadavre de plus dans ton sillage. Où est-ce qu'on va là? Lem's away. Allez, on va y arriver, on va y arriver. C'est ce que je craignais. Elle a fait sauter les compresseurs du ballast. On n'arrivera jamais à remonter. Sauf si... Attends, je réfléchis. Je peux essayer de faire bouillir l'eau pour qu'elle s'évapore et que le bathyscaphe remonte. Mais on va avoir besoin de beaucoup d'adam. On va devoir sacrifier les dernières petites sœurs. Oh, c'est triste. L'aile pédiatrique. L'aile. Oh, quel sacrifice. Elle est prête à tout, elle. Les petites sœurs. Elle appuie sur M pour l'objet. Oh, c'est long. On va regarder l'objectif quand même. Trouver la pédiatrique. D'accord. Bon. On va sacrifier les petites sœurs. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un nous séparer. Tiens bon. Les petits enfants. Ceci n'est pas un sermon. Je ne vous éclairerai. Ils sont juste là. Il faut exploser les bombes. Il faut faire vite. L'aile pédiatrique n'est plus très loin. On devra sûrement se battre pour entrer. Bienvenido. Ah, ça peut être utile, ça. C'est très bien. Elle est partie? Quand tu te seras débarrassé d'eux,
Envoie-moi un signal en utilisant le bouton sur ce hublot. Et je viendrai. Le bouton sur ce hublot. Après les deux ailes pédiatriques, je serai assez puissante pour faire bouillir l'eau du ballast. Nous pourrons utiliser le bâtiscaf. Ah, mais c'est vrai. Je m'occupe des créatures de maman, comme tu me l'as appris. C'est donc ça ton héritage pour Eleanor? Lui apprendre comment un monstre parfait doit survivre? Je comprends jamais pourquoi il me change. Chaque fois, je lui aurais épargné ce destin. Ouais, c'est vrai que devenir un monstre, c'est peut-être pas une bonne idée. Écoute, papa, je sais que tu ne voulais pas avoir une fille, mais l'amour, c'est un artifice. Si on veut lui donner du sens, l'amour a besoin de choix. Et mon choix, papa, c'est toi. C'est mignon. Que de gentillesse, mais ça va devenir un monstre. J'ai peur de la fin. C'est des niveaux qu'on peut pas trop explorer malheureusement parce qu'il faut pas qu'on reste. Et où lui ? Encore une bombe ! Dépêchons-nous ! L'endroit ne va pas tarder à céder. D'accord, on va où après? Eleanor devait devenir une synthèse vivante de tous les génies de Rapture. La toute première utopienne, au service du monde entier et sans aucun ego. Obliger un tel être à avoir une conscience revient à lui couper les ailes. Voilà ce que tu lui as fait subir, Delta. Conscience. Comme elle l'espérait. J'espère.
père que tu es fier de toi. Bon, je laisse les prisonniers. Je pensais qu'ils allaient m'attaquer, mais en fait, non. Delta était en grande forme aujourd'hui. Les gardes ont tenté de lui administrer une nouvelle dose de je ne sais quoi, il les a tous envoyés voler. Les quatre. Les pauvres n'ont plus un membre intact. Il y a du sang partout. Un des types pourrait même ne jamais se réveiller. Ne jamais se réveiller. Quelle chance. Pauvre prisonnier. J'en ai liquidé quelques-uns, je pensais qu'ils étaient ennemis, quoi. Malheureusement. Tiens bon, papa. Allez, on se réveille, on se réveille. Il n'est pas question que je perde un autre patient. Ah, est devenu dingue aussi. J'ai besoin d'aide ici, et vite. Où est passée l'infirmière? Je vous déconseille fortement de mourir. Vous m'entendez? Je suis médecin, infirmière. Laissez-moi passer, je suis médecin. Laissez-moi passer, je suis pédiatre. Ceci n'est pas un sermon. Je ne vous éclairerai en rien. Vous connaissez déjà chaque mot que je prononce. Un hôtel pour Lamb, Dr. Lamb. Pourquoi il m'a encore changé mes pouvoirs? Ah là, c'est relou ça. Il est où le truc de pouvoir? Il change les pouvoirs, t'as rien demandé. Des autres pouvoirs, je veux juste ma fille. Je veux juste être avec ma fille, c'est le principal. On approche d'une hôtel pédiatrique. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit gardée. Prépare-toi. Oh, t'inquiète. Elle est là, elle me regarde.
à débarrasser d'eux. Envoie-moi un signal en utilisant le bouton d'appel. Et je viendrai. Elle dit qu'il faut l'appeler, mais en fait, au final, on peut l'appeler quand on veut. Hein. Franchement, je vous pose la question, à quoi sert le signal? Parce qu'au final, on peut l'appeler quand on veut. À quoi sert le signal? Je crois que je vais pouvoir m'occuper de l'eau du ballast. Je pense avoir suffisamment d'adam pour nous permettre de quitter Rapture. Ah mon dieu, faut pas regarder ce qui se passe. Les massacres tous. Barons tous. Regardez-moi ça. Ah ouais, la pompe le... fait ça à chaque lit. Mais eux peuvent savoir ce qui se passe en cuisine. Voyait en toi un exemple à suivre. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as massacré des innocents. Ah, c'est pas faux. Exemple, en effet. Tu as enfanté un monstre. Elle a pas tort, malheureusement, quoi, Isa. On l'a perverti au final. Bon, on se casse? Ça y est? J'entre dans le ballast. Quand tu seras prêt à commencer, approche-toi de la vitre. Mais n'oublie pas, une fois l'opération lancée, on ne pourra plus faire machine arrière. Bon. Claire, elle nous dit, fais le plein, papa. Et tu serais prêt à arracher ma fille unique à son foyer et à sa famille? Elle a livré à un monde sans espoir. L'eau est en train de bouillir. Non, je préfère encore que l'utopie meure avec elle. Et avec nous tous. Adieu, Eleanor. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ailleurs, je t'attendrai. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ils arrivent, papa. Retiens-les tous jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Oh non, mais encore changé le pouvoir, là. Sérieux. Ah, est-ce que je peux l'appeler quand même? On va voir si ça marche. Si c'est pas, c'est le cas, ça serait pas logique. Ah non, elle peut pas venir vu qu'elle est là-bas. Bon bah, ils sont logiques quand même avec eux-mêmes. C'est presque fini. Hop, attendez, juste prendre ces infernaux là. Non, mais c'est bien saoulant là. Sérieux.
Téléphone qui sonne, les gars. Le bout. Maintenant, je viens t'aider à combattre. Utilise le plasmide. D'accord, donc elle peut venir maintenant. Et voilà. Mais je peux me barrer quand même, c'est possible? Oh là là. J'ai pas de mérite. J'ai réussi, papa. Il n'y a plus d'eau dans le ballast. Tu peux libérer le bathyscaphe. J'ai pas assez de sous pour des tours de soins, sérieux. Le téléphone sonne, les gars. Ils sont à 20$ pièce, donc... Allô, boule. Faire cuire les œufs, c'est bon. Merci. L'ascenseur qui mène au bathyscaphe est inondé. On doit équilibrer la pression ici pour pouvoir ouvrir la porte. Casse les tubes en verre pour inonder la pièce. Voilà. On a réussi. On va pouvoir remonter. Dépêche-toi d'aller au bâtiment. On peut sauter, c'est possible ou pas? Non, on peut pas sauter. On peut pas sauter. Ah non, mais littéralement, on peut pas sauter. On est dans l'eau, on peut pas sauter. Bon. Le bathyscaphe, alors c'est où? Ah, ok, je ne comprends pas. Thérapie. On est où? Ouais, et pour. Ah, c'est là. Attention, on va couler. Cours, papa. Cours, papa. Run, daddy, run.
Non, 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 non. Non! Non! Allez, grimpe. Le rêve de rapture est fini. Tu m'as appris que le bien et le mal étaient comme les marées, toujours changeants. Allez, grimpe. Survivre à rapture, tu as pris ce dont tu avais besoin, à moi ou à des innocents. Mais lorsque les coupables ne représentaient plus de menace, tu es parti, sans te retourner. Je voulais que maman meure, mais brisée comme elle l'était, quel mal aurait-elle pu me faire? Maintenant, elle va vieillir seule et mourir, hantée par mon abandon. Finalement. Je veux pas que tu sois un monstre, ma fille. Choisis ta vie. Faut que j'aie plus longtemps. B ou F? Moi, je choisis B. Ah non! Sérieux? C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? On peut pas voir la fin? Oh. Mais il se passe quoi là? Oh non, ils sont sérieux. Oh les mauvais, mais non, les mauvais! Ah les mauvais! Ah les mauvais! Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je peux pas appuyer sur le bouton? Ils sont dingues. Bon, bah on va conclure le jeu là-dessus. Je pensais pas que... Bah, je pensais voir la fin, quand même. Hein? Non, mais j'ai beau appuyer sur le bouton, il se passe rien. Je peux pas... Attendez, peut-être que je peux pas me sacrifier. Et peut-être que je peux sauver ma... Ah, je peux que sauver ma vie. Pas de moi, papa. Mais tu m'as faite comme je suis. Ah, d'accord, on n'a pas le choix, en fait. Tu as choisi de survivre. Survivre à tout prix. Et cet instinct de survie, tu me l'as transmis. En fait, on a la mauvaise fin, on n'avait pas le choix. Le rêve de rapture est terminé. Mais ce n'est pas la fin pour moi, au contraire. Tu seras toujours à mes côtés, papa. Tes souvenirs, tes désirs. Quand j'aurai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Une toute petite voix, à peine perceptible. Corps qui remonte. Je suis une créature sans nom, c'est vrai. Mais le monde va changer. Pour toujours. Et grâce à toi, je vais le changer. Oh,
C'est bien, c'est un peu plus sur le retour au phare. Le phare du départ, sauf que vous voyez, il est abîmé. Il est esquinté, et comme si il allait s'effondrer. Et c'est un message, c'est la fin de Rapture. Rapture a logiquement été détruite là. Vu qu'elle serait effondrée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, la dernière partie était un peu longue, un peu répétitive, mais bon, c'est suite logique des choses. J'aurais préféré qu'on échange plus avec Lem, parce que là, on a fait parler que de loin. Elle a essayé de nous stopper, mais pareil, elle a essayé de nous stopper de loin en envoyant des sbires ou autre. C'était pas du direct. Elle n'est pas morte. Je pense que c'est le bon côté des choses, mais par contre, le mauvais côté, c'est que j'ai eu la mauvaise fin, j'ai pas eu le choix en fait. J'ai appuyé sur B, il s'est rien passé. Et j'ai appuyé sur F, là, j'ai eu la fin mauvaise. Donc, je pense qu'il faut faire aucune erreur pour avoir la bonne fin. Malheureusement, ça fait deux fois de suite que j'ai la mauvaise fin. Dans Bioshock 1 Remastered et Bioshock 2 Remastered également. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois tout au long du jeu, je me suis un peu répété, je sais, mais bon, je donne mon avis. Graphiquement, il est beau. Les textures sont. Les textures sont peut-être pas meilleures que la première version en remaster. Et c'est bien dommage. Le site, de, comme j'ai dit plein de fois, ils ont mis un bas de PNG en arrière-plan pour cacher la 3D, alors que Bioshock 1 Remaster, c'était que de la 3D. Les arrière-plans, les choses qu'on voyait au loin, les immeubles au loin, c'était que de la 3D. Et là, ils nous mettent un vieux JPEG dégoûtant. Et ça se voit, et c'est vraiment dommage. C'est des choses qu'on voyait plus, enfin bon, c'est dommage. Donc graphiquement, il se tient. Je préfère le style du premier, même si je vois bien que les effets visuels sont plus importants dans Bioshock 2 Remastered, mais bon, ma préférence va au premier. Niveau scénario, bah, est-ce qu'il est plus riche que le premier? Non. Là, donc c'est Lamb qui a repris le flambeau. On était un Big Daddy. On a été stoppé parce qu'on embarquait Eleanor avec nous. 10 ans plus tard, on est refait vivre. On vit de nouveau, grâce justement à Eleanor et ses souvenirs. Malgré les 10 ans passés, elle nous a pas oublié. Elle a pas oublié le sujet Delta et elle le recrée avec les petites sœurs. Pour qu'on la rejoigne et en fait elle nous a créé quoi. En fait on est le fruit de elle-même. On est nous mais on est écrit par elle. Donc c'est très particulier. Là on va essayer de tout stopper mais elle a jamais réussi parce que l'amour était trop fort entre les deux. Du coup, bah, c'est particulier quand elle lampe, donc elle remplace Andrew Ryan. Elle a repris le flambeau sous forme de secte d'adoration. On a vu des hôtels à son nom, des photos, etc. Le thème du papillon aussi qui revient souvent. Donc c'est toujours les mêmes chromosomes dégénérés, qui sont plus dégénérés quand même que le premier. Les Big Daddy en veux-tu en voilà. Les Big Daddy seuls. Des Big Daddy anciennes versions, qu'on a vu d'ailleurs dans le musée de Bioshock 1 Remaster. Il y en a peut-être un peu trop. Les personnages en dehors, donc, par exemple, dans Bioshock 1 Remastered, il y avait Fontaine, Andrew Ryan. Là, on a le droit à Alexander. Comment il s'appelle? Gilbert Alexandre. Sympa, c'est un gros monstre à la fin. On avait Sinclair, il y avait Stanley Poole. Il y a un peu plus de personnages, on va dire. Tenenbaum était encore là. Il y a eu Holloway. Un peu plus de personnages peut-être, mais je me sens plus étriqué au niveau du scénario, des motivations. Voilà, c'est pas assez riche peut-être que dans le premier, pas assez de mystère, quoique ça se voit à peu près. Non, moi je dirais que quand même le 2 c'est un peu moins riche. Quoi. Donc il est plus beau, scénaristiquement c'est un petit peu plus faible. Le moteur physique se tient. Mais ma préférence va au premier. Là, c'est un petit peu étiré, quoi. Ils ont un peu étiré l'histoire. Bon, c'est la fin de Rapture, mais c'est pas la fin de Rapture qu'on espérait, quand même. J'imaginais quelque chose de plus grandiloquent, de plus violent, plus... Et là, non. Enfin, c'est en continuité avec le premier. Là, le lien entre les deux se fait naturellement, parce que c'est quelques années plus tard. Et c'est une histoire différente, mais c'est moins riche. Donc, si je devais lui mettre une note, ce serait 13. Et j'avais mis 15, je crois, au premier. Vous voyez, 13 parce que
C'est la continuité. Ils ont amélioré un peu, mais sans plus. Ils sont pas les... On est un Big Daddy, mais... Voilà, c'est pas... Finalement, c'est pas si fou que ça. Le point positif que j'aime... Enfin, j'ai bien aimé, c'est qu'on était une petite sœur. Là, c'était fun. Mais ils ont fait des ellipses. Je pensais qu'on allait passer dans la tuyauterie et tout, choisir où est-ce qu'on allait. Non. Et surtout, elles ont une vision enjolivée des choses. Vous avez vu, c'est... C'est les papillons, c'est tout est propre, tout est clean. Alors qu'en fait, non, c'est l'enfer, c'est dégoûtant, c'est les mers. Ça, c'était très drôle, ça. J'ai bien aimé ce passage-là, peut-être trop court. Mais dans l'ensemble, bon, c'est une autre histoire, ça se tient. J'ai peut-être un peu dur avec le 13, mais bon, c'est mon point de vue. Donc voilà, pour Bioshock 2 Remastered. On arrive au bout de ce jeu. En moins de temps, il y a moins de niveaux, les niveaux sont plus courts, moins grands. Ouais, il a été fait rapidement, je pense, c'est Bioshock 2 Remastered. Par rapport au premier qui a été plus développé, plus travaillé, je pense là c'est un peu amélioré graphiquement, mais plus court scénaristiquement et en temps de jeu. Bon, bon il est pas mauvais, hein, c'est un bon jeu, mais je suis un petit peu déçu, quoi. Je suis un peu resté sur ma fin. Et je l'ai enchaîné quand même beaucoup plus vite que le premier. Ça, c'est un signe. Est-ce que le temps de jeu reflète la qualité du jeu? La réponse est non. Non, 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 c'est pas parce qu'un jeu est très long qu'il est très bien. Mais, quand on a un premier épisode assez long et que le deuxième est plus court, du coup, bah. Un peu. Voilà. La logique voudrait que ce soit plus long ou égal. Pour pas se sentir un peu trompé quoi, par la marchandise, mais. Bon. C'est ainsi. Et c'est le jour. Le jour, oui, le soleil se lève, alors que dans le premier... Ah si, quand on sortait dans la fin du premier, c'était pareil, c'était le soleil. C'est la fin de Rapture. Rapture a atteint... Mais c'est quand même un point d'entrée, le phare. C'est un point d'entrée pour Rapture. Personne ne sait que c'est là, mais c'est là quand même. Bon. Voilà ce que je pouvais dire sur Bioshock 2 Remastered. Je pense qu'on va continuer avec... cette bande-son est pas mal. La bande-son des Bioshock est bien, j'oubliais. Les designs sonores, les sons sont travaillés. Et la bande-son est sympa, j'adore le thème d'ailleurs, ce thème-là. Il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il y a un peu de tout dedans. Là, j'ai vraiment cru d'ailleurs que Elana était décédée, parce que quand même, elle était au milieu des bombes. Hein. Et bon, au final, non, elle a survécu, mais elle est devenue un monstre. On a enfanté un monstre. Vous pouvez pas se sacrifier. Alors, franchement, il faudrait que je vois. Parce que je vais pas refaire le jeu. Hein. Les BGS, c'est des one-shots. Hein. C'est jamais. On revient jamais en arrière. C'est comme ça, il faut avancer, il faut terminer la liste. Bon, bah voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Exceptionnel jeu. Un dernier niveau en deux parties. Mais je regrette pas. Bon, voilà, on va se laisser là. We keep going. A bientôt sur BGS, Binge Gaming Sessions, number 20. C'est pas fini. Et c'est du lourd. Du très très lourd.